clásica del flamenco de José Luis Narváez est une œuvre d'un grand lyrisme, traversée par des tourbillons de sons dans un mouvement qui confine parfois à une fébrilité bien en accord avec le titre lui-même. Je voudrais ici, dans cette masterclass, tout d'abord vous faire écouter l'auteur lui-même parler de l'œuvre, puis, dans un second temps, décrire un peu la forme de l'œuvre, et enfin, certaines techniques et modes de jeu indispensables. Un défi est lancé. Peut-on, avec un esprit classique, aborder une musique pure, sauvage, non apprivoisée? Comment faire pour que l'oiseau libre entre de plein gré dans une cage et se mette à chanter? Le défi réside dans la vision classique que l'on peut avoir du flamenco. La guitare flamenca a des ressources dynamiques, rythmiques qui la font sonner autrement, véritablement. Elle sait sonner comme nul autre et parler directement à l'âme, au ventre et au cœur. C'est ce côté qui fascine et attire en elle. Théâtraliser le jeu du guitariste afin que le gestuel soit intimement lié à la musique. Il faut que l'auditeur écoute, voit avec la même intensité d'émotion. Il s'agit d'amener peu à peu, d'installer progressivement le climat, avec un langage classique et tout ce que cela implique sur le plan formel de l'écriture, à mi-chemin entre musique savante et populaire. Cette vision est comme un voyage à travers le temps. Il faut remonter aux sources, faire appel aux souvenirs et creuser profond la terre pour toucher la cime de ses racines. Visión clásica del flamenco se compose d'une introduction, d'une danse et d'une copla, d'un seul tenant. Mais ce qui est remarquable, c'est que ces trois parties sont issus d'une même cellule qui les traverse de part en part, chose suffisamment rare dans une œuvre d'une certaine longueur et que je voudrais exalter ici. De même que dans les mosaïques arabes, déclinées sous diverses formes mélodiques ou rythmiques, dans un jeu structurel remarquable, c'est un motif, une cellule mère très simple, puisqu'il consiste en seulement quatre notes. Et la guitare a besoin de cette sobriété, de cette simplicité, pour être en mesure de transposer aisément dans le développement de l'œuvre ce même motif. Apparition discrète du motif dans l'introduction sous la forme de quatre noirs. Énoncé clair du thème, souligné avec son écho rythmique en contrepoint, c'est-à-dire les trois premières notes liées en une seule et même durée. Cellule inversée. Cellule mère en style brisé. Cellule déclinée sur un rythme à quatre temps inégaux en rasgado. Même en arpège. Une variante ornée sur la fin. Retour à l'énoncé initial de la cellule en rasgado sur six cordes.
Le développement de cette idée de base dans les diverses tonalités et les divers épisodes de cette danse est, je crois, une des choses les plus achevées que nous ayons dans notre répertoire. Quelques techniques issues de la guitare non classique sont employées et demanderont à certains un petit travail d'acquisition préalable. Bloquer et tendre les trois doigts de la main droite avec le pouce et les libérer violemment en trois pichenettes. Brosser deux cordes avec l'index en opposition avec le pouce qui lui aussi prend deux cordes. Bien frapper les cordes avec tous les doigts, incluant le petit doigt. Ce rasgado en triple croche dans cette pièce est un bon exemple de la nuance pianissimo que l'on peut atteindre avec le rasgado, pas nécessairement fort et brutal. Le trémolo à 5 avec sa formule bien connue, P-I-A-M-I. Mordant avec un seul doigt, exécuté avec la main gauche en zigzagant à grande vitesse. D'autres techniques utilisées, tout aussi spectaculaires, sont néanmoins plus classiques, comme le trille accompagné d'harmoniques, par exemple, ou le double trille réparti entre la main droite et la main gauche. Ces gestes sont pour la plupart faciles à acquérir et ne demanderont pas des mains en dehors de l'ordinaire, mais simplement une certaine habitude. Ainsi, dans cette vision, la guitare, la danse, le chant se voient liés, et bien que d'écriture classique, cela sonne, cela bouge, cela crie. On y retrouve un peu, dans ces différents thèmes, ceux du peuple andalou, la mer, l'amour, la mort et el flamenco. Claro que sí. Thank you.
Thank you.
Thank you.